La prière apporte la lumière et la paix en soi et dans le monde. J'allume cette chandelle pour la victoire de la lumière sur terre, que cette lumière éveille et soigne les cœurs meurtris et illumine la conscience. Tandis que nous voyons la Mère divine diffusant ses rayons de lumière et de bénédiction sur terre, nous prions. Ô Mère divine, avocate des causes difficiles, Mère si pure et si compatissante, Mère du divin amour et pleine de lumière divine, nous mettons entre vos mains si tendres les demandes suivantes. Votre divine grâce et assistance pour la libération des conditionnements et des aliénations humaines qui engendre l'ignorance de l'âme et de ses pouvoirs. Que vos anges et archanges libèrent les consciences de la prison des conditionnements et des peurs qui l'empêchent de vivre pleinement. Que l'archange Michaël et sa cohorte d'anges nettoient la terre des impies, abuseurs, malfaiteurs qui parcourent la terre pour la perte des âmes, qu'ils dressent la croix dorée du Christ au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, pour la victoire de la vérité, du bien et de la liberté sur terre. Et puisse le Christ, selon sa parole, revenir sur terre. Et nous demandons, au nom du Christ et par le pouvoir du Christ, nous demandons l'infinie protection et la victoire finale pour celui et tous ceux et celles qui demeurent dans la foi, la persévérance pour la restauration de la vérité et de la liberté sur terre. Nous demeurons les porteurs de la flamme de vie pour la préservation de la liberté de l'âme humaine sur terre. Amen. Prière à la Mère du monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et pour toujours. Amen. Prière de Jésus, le Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles.